Bienvenue au projet de boîte d'outils lavalloise, on va dire. Alors, je vous partagerai mon écran pour en parler. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Excellent. Alors, justement, une outil tech, c'est quoi l'outil tech? Ben justement, c'est la boîte, c'est une boîte à outils partagée, communautaire. Alors, une outil tech, ben, c'est exactement la même chose qu'une bibliothèque publique, sauf qu'à la place de livres, ben, nous avons des outils. Alors, c'est aussi simple que ça comme définition. Mais avec une outil tech, ben, nous, on va généraliser en disant outil tech, mais il y a beaucoup de choses qui viennent avec souvent. Alors, on en parlera tout à l'heure. Pour parler de l'écosystème d'outils tech, qu'est-ce qu'il y a autour, etc. Alors, on emprunte des outils. C'est vrai que ce n'est pas la même chose que Simplex ou l'outil tech de ce monde. On n'y trouve pas vraiment la grande machinerie, etc., les gros outils, etc. Mais par contre, on y trouve personnellement, je vous parlais tout à l'heure de mon histoire, mais j'y trouve plus que 90% de ce que des outils dont j'ai besoin dans mes travaux et bricolage. Alors, pour les emprunts, il y a une contribution. Il y a une contribution qui est demandée souvent, mais ça peut être monétaire, ça peut être des heures de bénévolat, ça peut être des dons d'outils, ça peut être plein de choses. C'est selon le modèle que l'outil tech a choisi. Ça peut être une coop, une entreprise d'économie sociale ou même une entreprise commerciale qui a une petite outil tech et atelier partagé. Alors, justement, la contribution peut différer selon ces modèles. Qu'est-ce qu'on peut emprunter dans une outil tech? Alors, on peut emprunter presque tous les outils, on va dire, comme j'ai dit, surtout des gens non professionnels et parfois même de certains outils dont des professionnels de rénovation ou électriciens, etc., en ont besoin. Alors, ça peut être des petits, grands outils, des outils manuels et électriques, bien sûr, jardinage, ça... Parce que tout à l'heure, on va parler d'un modèle qu'on connaît, moi et Chantal, qu'on connaît bien, la remise. Il y en a beaucoup, beaucoup d'outils de jardinage. Matériel de cuisine, bizarrement, j'étais surpris de voir ça dans une outil tech, mais ça peut être ça, justement, comme j'ai dit, c'est un endroit de partage d'outils et de matériel différent entre... Dans les communautés. Alors, ça peut être un matériel de cuisine. J'étais aussi agréablement surpris en trouvant du matériel de camping. Ça aussi, on peut y trouver articles de sport. Et pour certains outils tech, comme j'ai dit, qui ont dans leur écosystème des ateliers, on peut trouver aussi des espaces d'entreposage. Lorsqu'on démarre des projets, on peut laisser, on va dire, du bois, etc., qu'on n'a pas encore terminé, on peut le laisser sur place et emprunter, payer pour l'espace où on laisse nos projets. Et plus encore, alors ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être un projecteur, ça peut être... En tout cas, on peut mettre dans une outil tech tout ce qu'on veut. Alors, c'est pas mal ça pour la définition et ce qu'on peut emprunter. J'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème d'une outil tech. Justement, une outil tech, c'est rare qu'on trouve une outil tech isolée, toute seule, dans un local ou quelque part. C'est souvent, elle est incluse souvent dans un autre projet, soit des ateliers partagés,
Souvent, c'est le cas avec les ateliers partagés. Soit on y trouve aussi un café de réparation. Un café de réparation, c'est très populaire aussi. C'est un endroit de partage de connaissances où on trouvera un expert dans un domaine d'électronique, par exemple, ou réparation d'outils, justement, ou quelque chose comme ça. Et on peut aller là-bas prendre un café tout en discutant avec un expert qui nous aidera à réparer on va dire, nos outils ou comme on appelle ça, notre matériel électronique pour ne pas pour réduire, on va dire, un peu la consommation et seulement se contenter de jeter et acheter quelque chose d'autre. Alors, il vaut mieux toujours écologiquement parler, il vaut mieux réparer certaines choses. Alors, c'est pas mal ça. Aussi, ce qu'on peut trouver dans une outil-tech, dans les ateliers partagés, ce qui est intéressant, je trouve très intéressant, c'est les formations. C'est les formations dans tous les domaines, comme le bois, l'électronique, couture, etc. Et ces formations, c'est souvent donné par des bénévoles, des experts. Mais on peut aussi apprendre à faire nos projets, se faire aider à faire nos projets par les utilisateurs mêmes. Ça veut dire, si je loue aujourd'hui un atelier de bois et je trouve quelqu'un qui fait son projet, c'est le meilleur endroit pour poser des questions, pour se faire aider. Bien sûr, sans abuser du temps des autres personnes, mais en général, si on va dans des endroits comme ça, c'est souvent pour faire nos projets et aider d'autres personnes. Alors, c'est ça l'écosystème en général de l'outil-tech. Alors, comme j'ai dit, je focalise plus sur outil-tech, ça veut dire l'endroit où on loue des outils, mais comme j'ai dit, c'est souvent plus général et plus global que ça. Comme on va le voir avec la petite liste qu'on vous a préparée, que je vous partagerai éventuellement, les gens qui sont intéressés peuvent juste écrire à la caravane pour avoir cette liste ou même plus. Il suffit de faire une petite recherche Google pour trouver la même chose et voir même plus. Moi, j'ai fait une petite sélection. La première, c'est la remise qui est l'unique que je connais, moi, personnellement, à Coop, ici au Grand Montréal. Elle se trouve à Montréal et un endroit qu'on connaît bien. J'en parlerai tout à l'heure. À la remise, on a à la fois l'outil-tech, la bibliothèque d'outils. On a trois ateliers partagés. On a la couture, le bois et on a vélo. Alors, et pour ces trois ateliers, il y a aussi des formations. Alors, il y a toujours des formations 101 pour s'initier dans ces domaines-là. Il y a l'atelier La Patente à Québec, qui est un concept pas mal complet. Que je vous inviterai fortement à aller voir sur le site Internet. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le visiter en personne, mais ce sera dans des choses à visiter vraiment à Québec pour mon prochain voyage à Québec. Les affûtés, c'est ici aussi à Montréal, mais ça, c'est un peu c'est plus différent, c'est plus des ateliers de professionnels qui travaillent dans le bois, etc., mais qui louent aussi leurs ateliers parce qu'ils ne roulent pas à 100%, ils ne sont pas occupés à 100%, alors pour les temps libres, ils louent aux gens, mais ils peuvent aussi aider dans des projets spécifiques, ils peuvent faire des projets sur mesure. C'est à voir aussi, juste pour donner différents concepts comment justement, celui-là, ce n'est pas une outil-tech, c'est plus des ateliers partagés. Mais encore une fois, ce n'est pas une coop. Alors, juste pour vous donner plusieurs formes que peut prendre le concept d'outil-tech ou d'atelier partagé. À Toronto Tool Library, alors là, c'est la même chose que la remise, c'est une coop de location d'outils. La même chose, il y a aussi à Ottawa. Et un peu partout dans le monde, le tournevis que j'ai mis à la fin, c'est en Belgique, il y a la même chose. Alors bref, je vous invite à aller voir cette liste-là et voir c'est quoi exactement une outil-tech. Mon histoire avec l'outil-tech, comment j'ai découvert ça, justement, j'avais besoin d'outils, j'avais acheté la maison, mais avec un sous-sol semi-fini. Alors, il y a tout un sous-sol à terminer, alors
vous avez besoin de beaucoup d'outils. Mais ma petite frustration, c'est que j'ai découvert ça. J'ai découvert la remise en plein milieu de mes travaux. Ça veut dire que j'avais bien avancé dans les grands travaux avant de découvrir ça. C'est un collègue qui me l'a référé à mon travail. Et lorsque je l'ai découvert, j'étais vraiment très, très content de tout ce que j'ai trouvé là-dedans comme outil. Alors, je planifiais mes travaux et j'allais là-bas pour emprunter pour une semaine ou deux. Je termine ce que j'ai à terminer, je ramène les outils, j'emprunte d'autres, etc. Alors, ça m'a permis vraiment de bien avancer dans mes travaux de rénovation. Bien sûr, lorsque j'ai découvert ça, c'était pour moi je ne connaissais pas avant. Alors, j'étais tellement séduit que je me suis engagé comme bénévole. Ça fait plus que 3 ans que je suis bénévole, mais de façon intermittente. Alors, en raison justement du voyagement, moi, je reste à Laval. Je pense qu'on est les plus loin, Chantal. Moi et Chantal, on est les bénévoles qui habitent le plus loin de la remise. En raison justement du voyagement, malheureusement, je ne pouvais pas faire beaucoup d'heures de voyagement. Beaucoup d'heures de bénévolat. Alors, c'est ça, mais j'ai fait aussi quelques formations. Je me suis engagé comme bénévole à l'accueil, mais j'en ai profité aussi pour faire quelques formations 101, l'initiation dans le bois, l'utilisation des machines pour le bois. La même chose pour la couture, c'était plus pour les gens de l'accueil, pour qu'ils puissent aider les gens qui viennent et qu'il n'y a pas de bénévoles pour les aider. Alors, j'avais fait ça aussi pour pouvoir juste aider les personnes si besoin. Alors, c'est ça un peu mon histoire avec la remise. Moi, je dis souvent à la remise un jour, à la remise pour toujours. Alors, je reste toujours bénévole, mais je ne fais pas beaucoup d'heures parce que justement, je reste très loin. Mais j'aime beaucoup le concept et justement, en raison du voyagement, je n'ai pas arrêté de penser à faire quelque chose plus proche ici à Laval ou à la Rive-Nord. Alors, d'ailleurs, c'est la raison de ce webinaire citoyen qu'on organise avec la caravane. Et je passe la parole à Chantal pour parler de son histoire avec la remise et plus. Oui. Merci Mohamed. Donc, en fait, Mohamed vous a donné un peu les grandes lignes de ce que ça peut être une boîte à outils, un outil texte, qu'on y retrouve tout ça. Moi, je vais donner d'autres détails, mais tout d'abord, parler un peu plus de mon histoire avec l'outil texte, donc qui est la remise à Montréal. Bien, moi, j'ai toujours eu une curiosité à l'égard du projet. Donc, ça fait 5 ans que la remise à Montréal existe. J'avais lu des articles de journaux, donc je savais que le projet existait. Je me disais, c'est intéressant, mais bon, j'étais à Laval. J'avais pas nécessairement besoin d'outils, puisque j'ai un garage assez bien équipé d'outils chez moi. Mais j'avais ce constat de l'accumulation d'outils. Donc, je me disais, mais ça n'a comme juste pas de bon sens que chacun ait tous ces outils-là dans son garage. Donc, moi, c'était un constat que je faisais. Et c'est mon premier contact, ça a été en mai 2018 par le vélo. Parce que, comme Mohamed le disait, il y a aussi un atelier vélo à la remise. C'est le choix qui a été fait là-bas. Et il y avait une conférence sur le cyclotourisme et j'étais intéressée. Alors, j'y suis allée et là, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Et là, il y a eu assez tôt de mon côté une volonté de partage, d'implication. Donc, ce n'est pas pour emprunter des outils que je me suis impliquée. C'est vraiment parce que je croyais au concept. Je trouvais que c'est une belle idée. C'est certain qu'il faut se déplacer un peu plus puisque je n'habitais pas à proximité, puis il y a beaucoup de gens qui habitent à proximité. Mais je trouvais quand même là, ça fort intéressant comme principe. Et c'est une implication bénévole plus active comme bénévole à l'accueil. Donc, moi, je ne suis pas spécialisée dans la couture, le vélo ou le bois ou les outils, mais je suis une bénévole accueil, j'accueille les membres, je les oriente, tout ça. Et je suis dans cet univers-là des outils là, depuis 2018 et je suis assez active. Et c'est un peu aussi là, cette expérience-là dont je veux vous parler. Tu peux changer à cette acte, moi, avec. Donc, ça, c'est un peu mon histoire pour vous introduire. Mais aussi, ce dont je voulais vous parler un peu, c'est l'implication dans une bibliothèque
tech d'outils, mais derrière le comptoir. Donc, oui, une outil tech, il y a les grandes lignes, comme Mohamed disait, on peut y mettre ce qu'on veut, les structures peuvent être très souples, très variées, mais il faut quand même penser à différentes choses, donc des formules d'abonnement, donc est-ce que c'est sur abonnement, comment ça fonctionne, est-ce que c'est des abonnements mensuels, annuels, donc il y a toutes sortes de fonctionnalités comme ça qui peuvent être aussi variées qu'on le souhaite, mais auxquelles il faut là, penser dans le projet. Une boîte à outils, une outil tech, ben, c'est de construire le catalogue. Au même titre qu'une bibliothèque, ben, ça nous prend une quantité de livres pour commencer le projet. Donc, il y a un catalogue à construire, donc un stock d'outils à acquérir ou si on veut aller plus vers du partage de un à un, ben, il faut établir là, les types d'outils qu'on échange. Il y a aussi, en fait, si on se construit un catalogue, puis on a un lieu pour la bibliothèque d'outils, la gestion de l'espace. Donc, c'est toutes sortes de petites choses comme ça auxquelles il faut penser, donc au-delà de l'idée. Et toutes ces questions-là, en répondant à ces questions-là, ça peut nous aider aussi. OK, bien, qu'est-ce qu'on a comme moyen, comme infrastructure? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et déjà, de se poser ces questions-là, ça peut nous orienter aussi vers le type de bibliothèque d'outils, d'outils tech qu'on voudrait avoir. Puis, il faut penser à toutes sortes de choses. Hein, des outils qui brisent, on fait quoi? Qui va payer la réparation? Est-ce qu'on a un fonds de roulement pour ça? Est-ce qu'on a bon des gens qui réparent avec nous? Donc, ça fait partie des choses aussi quand on parle, quand je dis derrière le comptoir qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir aussi que dans une bibliothèque d'outils, une outil tech, donc la remise à Montréal dans laquelle nous, on est impliqués, Mohamed et moi, c'est là un modèle coopératif. Mohamed le disait, il peut avoir différents modèles, mais celui-là, c'est un modèle coopératif. Et à l'intérieur d'une coopérative, comme ça, il y a des motivations et des implications variées. Donc, il y a des gens qui sont là parce que, bon, ben quand on est bénévole, on peut utiliser l'atelier bois sans avoir à payer de frais. Donc, il y en a pour qui ça sera la motivation première. Il y en a pour qui la motivation première va être simplement davantage le côté social de l'endroit. Il y en a qui vont être plus rejoints par les valeurs du projet, donc qui vont s'impliquer pour la pérennité du projet, mais sans vouloir retirer beaucoup de choses en retour. Donc, il y a des motivations, il y a des implications qui sont très variées dans une bibliothèque d'outils, dans une outil tech, à travers l'équipe qui gère tout ça, que ce soit des bénévoles ou non. Mais ce qui est important aussi, c'est la communication. Donc, l'importance d'une excellente communication parce qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent. Dans ce cas-ci, si je parle derrière le comptoir à l'accueil, donc il y a des gens qui sont là une demi-journée par mois, il y en a d'autres qui vont être là deux demi-journées par mois. Donc, quand il y a une nouvelle procédure, quand il y a une idée, quand il y a quelque chose à partager, bien, de s'assurer que c'est un peu le jeu du téléphone arabe parfois, donc s'assurer que tout le monde le connaît bien, ce qui se passe. Donc, l'implication dans une bibliothèque d'outils, ça peut être fort intéressant, ça peut être fort riche, mais c'est aussi en même temps là, plusieurs choses à envisager. Tu peux changer... Donc, justement, si on veut créer une outil tech, ben, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos besoins, c'est quoi les valeurs qui vont sous-tendre ce projet-là, quelles sont les ressources humaines qui sont disponibles, dont on a besoin, quelle est l'implication que chacun, chacune peut mettre à court, moyen, long terme. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir. Quelles sont les possibilités de financement selon le modèle qui est retenu? Évidemment, selon les objectifs aussi. C'est quand même un élément là, qu'il ne faut pas négliger. Donc, à différentes phases, il peut y avoir là, des fonds qui sont nécessaires. Il faut réfléchir aussi au cadre juridique. Donc, on le disait tantôt, une coop, une entreprise d'économie sociale, les assurances, comment on fonctionne. Donc, d'envisager ces choses-là aussi. Puis, est-ce qu'on veut un local ou est-ce que non, ça va être juste plus une bibliothèque d'outils, les gens qui vont échanger en disant « j'ai ça chez moi, on peut s'échanger ça, etc. » Mais encore là, si on fait ça, il faut voir si je prête mes outils à Mohamed, puis Mohamed le brise, comment ça fonctionne, etc. Donc, ça fait partie des choses. S'il se blesse en utilisant ma scie à chaîne, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, ici, je suis dans toutes sortes de détails qui peuvent paraître, là, on n'est pas rendu là quand on réfléchit à ça, mais ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir quand on veut créer une outil tech. Et plus on y réfléchit en amont, mieux ça sera pour la suite des choses.
Si vous voulez vous renseigner, Mohamed, de nous présenter tout à l'heure le différent modèle, des liens vers les sites web de bibliothèques d'outils, d'outils tech, de projets de boîte à outils, d'ateliers, tout ça. Par rapport à la remise plus spécifiquement, sur YouTube, il y a un reportage là, qui avait été fait par l'Univers urbain en 2017, où justement, là, ça dure quelques minutes et là, on voit là, une reporter qui est là et on explique le fonctionnement de la remise. Sinon, pour connaître plus le début, la vidéo date, mais la remise avait fait du socio-financement en 2015 et la petite vidéo qui est là sur Indiegogo, en fait, la période de socio-financement est terminée, mais la vidéo est encore là et on explique vraiment à quoi va servir cet argent-là au début du projet. Donc, ça peut être intéressant pour cet aspect-là du projet. Donc, ça, c'était deux autres liens, en fait, pour peut-être s'aider à avoir une idée plus concrète des différents modèles possibles pour une bibliothèque d'outils. Y aller, Mohamed. Donc, ben c'est ça, c'était le partage d'expérience que Mohamed et moi voulions faire avec vous aujourd'hui. Et en fait, à partir de maintenant, ben, quel type d'outil tech imaginez-vous? Il y a toutes sortes de possibilités et c'est à vous de voir et c'est à nous de voir, en fait, c'est collectivement de voir qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant pour une bibliothèque d'outils. En espérant que ces quelques explications vous auront éclairé sur les principes de base. Merci. Bien, merci beaucoup, Mohamed et puis Chantal. Et puis, si je vais arrêter la caméra, mais s'il y a des questions, eh bien, on continue de se parler.